Rencontre avec Régula, syndic de la commune de Givrin, fraîchement élu député au Grand Conseil vaudois, vice-président du conseil d'administration du train régional L'Oignon Saint-Sergue et également travaille dans la sécurité aérienne chez Skyguide. C'est mon invité du mois, elle va nous partager ses différents engagements autant politiques que professionnels et également comment elle en est arrivée. L'épisode 4 de la saison 1, c'est parti! Yoann Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Bonjour Régula. Salut Johan. Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de tes engagements politiques. Donc en fait, on va un peu survoler les différents rôles que tu portes à l'échelle cantonale qu'à l'échelle communale. Donc en gros, tu es syndic à Givrin et également député au Grand Conseil vaudois. Donc pour ceux qui ne savent pas trop où c'est Givrin, c'est juste à côté du Palio, donc à 3,4 km pour être exact du bureau du Palio. Donc en gros, on va commencer petit, donc avec ton rôle de syndic. C'est quoi d'être syndic dans un village comme celui de Givrin ? D'être syndic comme dans un village de Givrin, le plus magnifique village de la côte, du canton de Vaud, bien évidemment, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce qu'il y a la proximité avec les gens, le partage avec les gens, les projets concrets, on met vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. On débute avec une petite idée jusqu'à la finalisation des projets. On est, comme j'ai dit, proche des gens. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Avant d'être syndic, tu étais également vice-syndic de Givrin. Est-ce que tu avais vu une grosse différence dans la charge du travail entre être vice-syndic et puis syndic ? Ah oui. Étant vice-syndic, c'est, on remplace le syndic quand il ne peut pas. J'ai eu la chance que l'ancien syndic Philippe Souberbuller a une santé d'enfer et qu'il se portait toujours bien, extrêmement volontaire, allait à toutes les séances. Donc ma charge de vice-syndic était relativement petite. Mais la charge comme syndic et la responsabilité comme syndic, un syndic il a la signature sous tous les papiers qu'il faut défendre, c'est la première personne qui met la tête en dehors de la fenêtre et quand on met la tête en dehors de la fenêtre on risque aussi de se la faire couper, donc on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais oui il y a une grosse différence. Et donc en gros c'est un peu se justifier puis défendre les projets puis les dossiers que vous avez à chaque fois, c'est ça ? Me justifier ou nous justifier, je ne pense pas qu'il y ait besoin, mais de défendre les projets, de défendre nos valeurs aussi d'une petite commune. Oui. Ça fait depuis combien de temps que tu es syndic à Givrin ? Ça fait un tout petit peu plus qu'une année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué depuis le début de ta syndicature ? Ce qui m'a marqué, c'est cet enthousiasme de notre village de progresser, d'aller de l'avant, de faire face au changement qui n'est pas toujours évident avec les temps qui courent. Et ce qui me marque aussi, c'est le job des RH, des relationnels avec les employés. C'est très prenant, très intensif, mais extrêmement intéressant. Il y a combien d'employés dans la commune de Givrin, par exemple ? Alors, dans l'administration même, on a trois personnes, un employé communal, concierge et un groupement forestier qui est en partie à Givrin. Il n'appartient pas à Givrin, on est trois communes, mais où il y a encore cinq employés. Et le côté négatif ? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire du côté négatif qui t'avait marqué ?
Non, je suis une personne extrêmement positive et optimiste. Donc non, il n'y a rien de négatif. Si c'est, voilà, les gens, la population a plus facilement la tendance à dire quand quelque chose ne va pas, mais j'apprécie énormément quand il y a des feedbacks positifs qui reviennent, et il y en a de plus en plus, donc c'est génial. Et puis, est-ce que tu as une anecdote drôle à parler depuis que tu étais nommé syndic de Givrain? Bah, drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Ça peut être très drôle quand un dimanche matin, on a un téléphone d'un citoyen de la commune qui dit « Madame la syndic, j'ai un petit problème. Oui. Qu'est-ce qui est votre problème? Ben, j'ai un cerf dans mon jardin. Je dis, on habite en bordure de forêt. Ben, soit vous le chassez, vous lui donnez quelque chose à manger, ou vous appelez le garde-faune. C'est malheureusement pas dans mes compétences. » Ou d'autres anecdotes très drôles, ou juste touchant, drôle, génial. C'est avec ce temps de canicule, on a encore une fontaine qui a de l'eau au village, celle du milieu du village, et qui dépend pas du circuit standard d'eau. Mm-hmm. Et quand je vois des familles qui arrivent en maillot de bain sur leur vélo, posent les vélos à côté de la fontaine et ils sautent dans la fontaine pour se rafraîchir. Moi, je trouve que c'est génial. Et ça fait depuis combien de temps que tu es municipal dans la commune de Givrain? Mon mandat de municipalité a commencé en 2011. Donc, ça fait presque 11 ans que tu es là? Oh, ça fait un peu plus. Je pense que la graine politique a été semée dans mon adolescence à la maison avec les mandats différents politiques de mon papa. Et il y avait énormément de discussions à la table à manger. Et à ce moment-là, je m'étais juré que jamais, au grand jamais, je m'appliquerais en politique. C'était trop compliqué, trop frustrant, trop. Et puis, en m'établissant à Givrain il y a 23 ans, voilà, on ne décide pas du jour au lendemain, ou moi en tout cas, je n'ai pas décidé du jour au lendemain. Demain, je fais de la politique. C'est petit à petit, on s'intègre, on commence à discuter, on commence à s'intéresser aux autres, à la vie communale. Et puis après, il y a le conseil général, après on a changé en conseil communal. Donc, ça fait depuis 2003-2004, j'ai commencé petit à petit de monter cette échelle politique. Au début, c'est pas du tout la politique, hein. C'est la commune, c'est la gestion. C'est de la gestion pure, c'est comme un ménage. Il faut remplir le frigo, il faut regarder que le toit soit étanche, il faut regarder que l'accès soit libre. Donc, c'est plus la gestion que de la politique. La politique, elle vient vraiment plus après avec les stratégies. Les stratégies communales sur le long terme. Sur le long terme, moyen, long terme, où est-ce qu'on va aller? Et puis, est-ce que depuis 2003, est-ce que tu as vu une grosse évolution dans ta commune? Il y a une évolution sociétale qui s'est installée. Il y a plus de gens qui viennent dormir dans les communes. Donc, on travaille énormément dans notre village pour justement faire vivre ce village, que les gens ne traversent pas juste pour aller chez eux. Il y a aussi un autre phénomène, c'est le rapport avec les instances cantonales. Il y a plus de réglementation, la marge de manœuvre d'une commune est devenue plus étroite. Plus étroite parce que tu m'avais parlé qu'il y avait des charges sociales ou des payants en plus à chaque année, puis la péréquation aussi. Il y a l'histoire de la péréquation, donc la charge sociale qui augmentait continuellement. Mais il y a aussi les réglementations, l'aménagement du territoire. Il y a plein de facteurs. C'est pas toujours que financier. Mais finalement, il y a toujours le canton entre deux, ce qui est une très bonne chose finalement. Mais le fait de pouvoir dire, voilà, demain je fais ça, je crée un centre forestier, tac, mais c'est très lent. Et La patience n'étant pas mon fort, des fois le très lent ne me convient pas. Tu gardes également une liaison entre les différentes communes voisines de Givrain. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Trélez, Genolier, Arzy et Saint-Sergue, par la ISGE, donc l'Association Intercommunale Scolaire de Genolier et Environ. Tu es vice-président, si je ne me trompe pas là-dedans. Oui. C'est quoi ton rôle en fait dans l'association?
On est deux membres, on a un comité de directeurs représenté par chaque village à deux membres, donc 10 personnes. Et la ISGE gère tout ce qui est autour de l'école. Donc l'école, l'état de Vaud, gère les enseignants, les élèves, la direction, ainsi de suite. Nous sommes responsables des bâtiments, du transport scolaire, des cantines scolaires et de l'accueil de jour. Et puis justement, tu as vu aussi une grosse évolution depuis que tu t'es engagé dans la ISGE ? Énorme. Énorme du fait qu'en 2000, sauf erreur si je ne me trompe pas, 2015 ou 2016, nous avons voté sur la journée continue. Le peuple vaudois a accepté ce changement, ce qui amène beaucoup d'exigences. Nous devons construire des écoles, ça ne plaît pas à tout le monde. Il manque de place dans l'accueil de jour. Il y a aussi cette nouvelle loi, ou plus si nouvelle que ça, que les communes doivent mettre à disposition des places d'accueil en UAPE, accueil de jour pour les élèves, ce qui est très compliqué. Il faut avoir de la place, il faut avoir des employés. Il n'y a pas assez de places de formation pour avoir les éducateurs et éducatrices. Donc, c'est très prenant, c'est très intensif. Je suis également présidente du réseau des Toblerones. C'est un réseau de 18 communes qui gèrent l'accueil de jour de notre région. On a des listes d'attente qui sont juste énormes. Et on travaille sur tous les fronts pour pallier à ce problème. Et tu es également vice-président du conseil d'administration des TPN, donc les transports publics lyonnais et le train régional, le petit train rouge pour les plus intimes, on appelle ça, donc le Lyon Saint-Sargues. Juste pour beaucoup d'entre nous, ça passe ce que c'est en fait d'être membre ou président d'un conseil d'administration comme celle des transports publics. Tu pourrais juste nous expliquer un peu ce que tu fais là-dedans. Alors, il faut encore différencier pour l'instant le TPN, Transport Public Nyonnais, et le Nyon Saint-Cerf. Je suis au conseil d'administration du Nyon Saint-Cerf. Pour l'instant, il y a deux entreprises. Oui, qui sont amenées à fusionner à moyen court terme pour la gestion. Conseil d'administration, c'est un mandat qui m'a été confié parce que chaque village sur la ligne du Nyon Saint-Cerf est représentée dans ce conseil d'administration, vice-présidente, parce que voilà, il fallait une vice-présidente. Le rôle d'un conseil d'administration est bien différent de, par exemple, de syndic ou de municipal. C'est purement stratégique. C'est où est-ce que l'entreprise va. On est en lien direct avec la direction du Nyon Saint-Cerf qui nous rapporte. On est beaucoup moins dans le terrain. Dans la commune, on est vraiment, dans les petites communes surtout, on n'a pas de chef de service. On est vraiment dans le terrain, mais au conseil d'administration, c'est purement stratégique. Mais, c'est super intéressant. Mais en tant que syndic, toi, tu peux peut-être constater certaines choses qui se passent dans ta commune, à la guerre de ta commune, que tu pourrais peut-être apporter aux Nyon Saint-Cerf ou pas forcément ? Pas forcément, parce que ce qui se passe directement dans ma commune en lien avec le Nyon Saint-Cerf, je vais le rapporter à la direction, la personne en charge au Nyon Saint-Cerf. Par contre, au conseil d'administration, je suis comme Regula Zellweger, conseillère d'administration. Donc, c'est deux rôles différents, il ne faut pas trop mélanger. Mais bien évidemment, après les séances ou pendant les séances, j'ai entendu que si, des fois, ça se mélangeait un petit peu. Mais le conseil d'administration, c'est purement stratégique. Et c'est quoi une journée type en tant que syndic ? Oh mon Dieu ! Alors, une journée type, une journée type, malgré que j'adore dormir et j'adore flemmarder un tout petit peu, elle commence très tôt, elle commence à autour des 6 heures, avec, bien sûr, avant mon premier café, rien qui se passe, et une petite promenade avec mon chien. Et après un peu de sport à la maison, et puis après j'attaque vers 7h. J'ai un autre travail, on va en parler après. Oui. J'ai de la chance de pouvoir faire beaucoup de choses depuis la maison en télétravail. Donc je travaille depuis la maison, ma pause de midi se passe au bureau communal. D'accord. Je retourne dans mon vrai boulot.
Et ensuite, entre deux, évidemment, des fois, il y a des téléphones et ce genre de choses pour la commune. Et après, ça s'enchaîne avec souvent des séances en fin d'après-midi, en soirée, pour les différents mandats. Donc, c'est plutôt, on va dire, quand tu es syndic, c'est plutôt en fin de soirée, enfin, en début de soirée plutôt, je reformule. En début de soirée, que tu fais des séances par rapport au travail ou... Oui, tout dépend. C'est vraiment un mosaïque extrêmement varié et intense, varié, mais super intéressant. Maintenant, on va passer justement au défi que je lance à mes invités, que je sais tu rigoles déjà parce que tu as déjà écouté le premier podcast. Alors, je te pose des questions qui n'ont absolument aucun lien entre eux et le but, c'est de m'en répondre un maximum sans abréger les réponses, je tiens à préciser. Donc, j'ai réservé, on va dire, une trentaine de questions. Voilà. Est-ce que tu es prête? D'accord, oui. On va lancer la musique. C'est bien, c'est que chaque invité me donne une réaction différente, c'est assez drôle à écouter. Alors, ton groupe... C'est très bucolique. Ton groupe ou artiste préféré de tous les temps? Oh mon Dieu, je suis un vrai caméléon musical. J'aime tout, de l'opéra, classique, même le hip-hop des fois. Mais l'électro, le rock... Alors, oui, les Rolling Stones. Les Rolling Stones, et puis pourquoi? Ah bah parce qu'ils m'ont accompagné de la question et de tous les temps. Donc, c'est un groupe qui m'a accompagné depuis mon enfance presque. Hein. Puis, on va pas plus resserrer la vis. Quel titre est-ce que tu apprécies le plus des Rolling Stones? Ah, moi, je suis très mauvaise. Si tu avais vraiment le number one de tous. J'en ai pas. C'est plutôt la musique globale et c'est ce feeling, ce drive qu'ils ont. Et qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? En une seule journée, donc on part de 24 heures plus la nuit. J'aimerais inviter tous ces gens que pendant la dernière année ou les derniers 9 mois, pendant une campagne électorale très dure, j'ai un peu délaissé. Tresser une monstre table dans mon jardin, inviter tous les gens qui sont importants pour moi et passer un excellent moment avec eux. Le plus bel endroit où tu es allé? Alors, je pourrais citer tous les voyages que j'ai pu faire à l'étranger, mais l'endroit le plus beau pour moi, je suis quand même de l'Oberland bernois, c'est le Kandertal, Eugenensee, c'est vraiment un lieu de ressources pour moi. Et quelle est ta plus grande qualité? Ça, c'est la question un peu piège, je dois l'avouer. Je suis authentique, je ne peux pas faire semblant. Et ton plus grand défaut? Je suis des fois un peu trop directe, trop unplugged. La diplomatie, je crois, elle a dû passer à côté de moi à la naissance. Je dis ce que je pense, ce n'est pas toujours aperçu. Ma foi, excusez-moi pour toutes celles et ceux que j'ai pu blesser avec ça, mais voilà. À quel point pourrais-tu vivre si quelqu'un enlève ton téléphone portable pendant une journée? Alors d'un côté, je dirais, mais quel bonheur, volez-moi mon téléphone. D'un autre côté, ça serait la pure panique parce que c'est mon extended memory, c'est mon deuxième cerveau. C'est ton deuxième cerveau. Merci beaucoup, Régula, d'avoir répondu à ces questions. Ça allait? Oui, je respire encore. Tu respires encore, tout va bien. Maintenant, on va passer sur ton engagement à l'échelle cantonale. Donc, tu es député au sein du Grand Conseil vaudois. La question, ça va être souvent la même. C'est quoi? Alors ça, je te dirais dans 5 ans, je suis encore députée. On n'a même pas encore commencé les premières séances, les vraies séances du Grand Conseil. Je suis alors encore toute verte derrière les oreilles. Tu as été juste récemment nommée... J'étais élue le 20 mars passé, assermentée le fin juin et puis entrée en fonction le 1er juillet, donc avec la pause estivale. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un ou d'une députée vaudoise? Pour moi, c'est les liens aussi avec les communes, avec la population et le canton. Et... Nom de Dieu, enfin faire avancer les choses. Et est-ce que le fait d'être syndic et député du Grand Conseil te laisse un peu plus une grosse sensibilité si à certains de ces qui traitent plus la région de la côte de Nyon que des autres régions du canton de Vaud? Moi, j'ai été élue comme représentante de notre arrondissement de la côte, finalement. Donc, c'est cet arrondissement que je vais représenter avec mes 6 autres collègues. On est 7 de notre arrondissement.
La sensibilité, évidemment, comme syndic, c'est les liens entre les communes et le canton qui, pour moi, est extrêmement important. Il faut défendre les communes, il faut aussi comprendre le canton. Donc, il n'y a pas une sensibilité plus extrême l'une de l'autre. Mais évidemment, mon cœur, il est à Givre. Tu représentes la partie des libéraux radicaux. Tu aimerais juste un peu nous résumer ce que vous faites là-dedans? On ne fait que des bonnes choses. On ne fait que des bonnes choses. Mais encore, qu'est-ce que vous faites? Alors, pourquoi je suis arrivée aux libéraux radicaux du canton de Vaud? Évidemment, pendant mon histoire d'enfance, un père PLR pur et dur. C'est des valeurs qui me conviennent. C'est des valeurs de notre liberté, de défendre notre liberté, défendre notre authenticité, défendre... Et le fait d'avancer, le fait d'être pragmatique, le fait d'inciter les gens. Aujourd'hui, on vit avec des interdictions à gauche, à droite. Ça commence à peser, ça pèse sur les jeunes, les moins jeunes. Nous, notre parti, on veut vraiment inciter les gens de mieux faire ou de faire différemment, leur ouvrir la voie. Je crois que c'est ça le mot d'ordre, les valeurs et ouvrir la voie. Et puis ces interdictions se sont juste amplifiées depuis le début du Covid, on est d'accord. Mais bien sûr, et c'est ça qui plombe le moral, osons le dire, ça plombe le moral à tout le monde. Est-ce que tu as des ambitions que tu voudrais franchir à l'échelle cantonale comme tu l'avais fait à Givrin? Sachant qu'à Givrin, tu as fait conseillère communale, je le conjugue correctement, vice-syndic et syndic. Est-ce que tu veux aussi faire la même chose à l'échelle du cantonal? Je sais qu'on va un peu court-circuiter si je te pose la question maintenant. Ou tu vas devenir député, puis après devenir conseillère d'État, voire même la présidente. Bon, il y a un moment donné où même ma personne, elle aura microdata et puis ça sera trop tard. Mais jamais dire jamais. C'est un credo qui m'est très proche. Mais après, voilà, ça serait un peu trop, comment dire, trop ambitieux ou trop... J'ai jamais vraiment planifié ma carrière politique. Quand j'étais en conseil communal, quand on m'a approché pour dire « tu serais bien en municipal », j'ai dit « bah ouais, cause toujours ». Pour parler devant des gens, oublie. Déjà, pour aller au conseil communal, je montais au village avec mon enveloppe sous le bras. Je dis « mon Dieu, il y aura du monde. Il va falloir dire bonjour à des gens que je ne connais pas. Qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, voilà... municipal, et puis après, ouais, toi tu serais bien comme syndic. Oublie, sûrement pas. Et puis voilà, syndic, maintenant la même chose pour le Grand Conseil. On est venu me repêcher au mois de novembre, sauf erreur, parce que quelqu'un avait quitté la liste. Mm-hmm. Je dis, ouais, je veux bien, parce que comme porteuse d'eau, mais comme un peu ancienne sportive de haut niveau, l'esprit de compétition m'a vite pris. Et je suis ravie d'être où je suis, et le futur sera le futur. Puis aussi, tu m'avais dit par mail, quand on avait commencé à préparer ce podcast, tu avais dit que c'était en fait un défi de parler aux gens. Alors oui, de te lancer dans des nouveaux défis, comme par exemple faire des formats de radio ou de podcast. Oui, mais bien sûr, c'est des choses... je suis extrêmement curieuse, j'ai aucun talent, je suis extrêmement curieuse, je suis une éponge et j'adore... sortir de ma zone de confort. Alors oui, il y a certaines choses qui sont vraiment... Il faut que je me donne un gros coup de pied pour y aller. Une fois j'y suis, je trouve... chouette. C'est cool. C'est chouette. Et on apprend. Encore à côté de tes engagements, tu travailles dans le milieu de l'aviation, à Skagit pour être plus précis. Oui. Tu étais contrôleuse aérienne. On m'avait appris que c'était pour éviter que les avions, en fait, font crash entre eux dans le ciel. C'est juste? Oui, en gros, c'est un peu ça. Un contrôleur aérien, il fait attention que le client, donc l'avion, se trouve sur la tranche ou sur le dos et qu'il évite les autres avions, oui. C'est un moment très complexe. Même en ayant ma mère qui travaille là-dedans, dans le milieu, depuis 2017, tu es dans la sécurité aérienne. C'est quoi ? La sécurité, alors oui, j'étais aiguilleuse du ciel avant de fonder ma famille et c'est un métier tellement passionnant. Alors à tous les jeunes qui nous écoutent, engagez-vous, skyguide.ch, postulez pour c'est une formation magnifique, c'est un métier magnifique, un cadre de travail exemplaire.
une diversité de gens, de travail. Il n'y a pas un jour qui ressemble à un autre. C'est vraiment magnifique. Alors après quasiment 15 ans de congé maternité, parce qu'il fallait vraiment s'assurer que ces enfants sachent manger tout seul et marcher tout seul. Non, je rigole. J'ai recommencé à travailler chez SkyGuide. Et je travaille dans une équipe compliance. Malheureusement, il n'y a pas de mot en français. En gros, on s'assure la compatibilité des amendements de loi, des changements de loi transportés dans l'opération. On accompagne des audits de l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile, qui des fois nous... à juste titre, ou des fois aussi pas, nous tape sur les doigts pour dire, voilà, ça, vous ne faites pas juste, ce n'est pas en accord avec telle et telle loi. Et puis après, c'est mon rôle d'aller poser des questions comme un enfant de 3 ans. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi ce n'est pas juste? Mais pourquoi? Jusqu'à ce qu'on ait la source du problème pour mieux faire, pour adapter et avancer. Et puis ce travail, tu le fais à plein temps? Depuis, je le faisais à plein temps jusqu'à fin juillet. Là, je me suis quand même accordé un tout petit peu de temps avec le Grand Conseil de réduire le taux de travail à 70%. Et j'ai heureusement un employeur qui est très compréhensif pour ces mandats-là. On arrive gentiment au bout de ce podcast, mais juste avant qu'on se quitte, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un pour devenir syndic de sa commune, ce serait lequel? Si tu avais une qualité à dire. La curiosité. La curiosité, puis peut-être aussi l'ouverture d'esprit. La curiosité et l'envie de connaître les gens. Il faut vraiment aimer le contact avec les gens, écouter et parler aux gens. C'est primordial. Des projets pour l'avenir de manière générale, si ce n'est pas forcément du côté politique, peut-être au niveau professionnel ou... Pour l'instant, je me trouve à un tournant aussi au niveau politique avec le Grand Conseil. Donc, un pas après l'autre, et des idées et des projets, j'en ai plein la tête. Je suis une vraie tête à idées, donc ça ne va pas me manquer. Nous terminons ce podcast sur ces belles notes. Merci beaucoup, Régula, d'avoir accepté et à répondre à mes questions. Merci beaucoup, Yann. Si vous voulez participer à ce podcast comme Régula l'a fait, rien de plus simple, n'hésitez pas à m'envoyer un email à johan@rencontre-avec.ch et on regarde ensemble pour qu'on sorte un épisode. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à le partager si cela vous a plu. Ce podcast est un projet personnel que je monte depuis plusieurs mois maintenant. Et comme toute chose, cela encourt des frais de production et de droits d'auteur. Donc si l'envie vous guette de faire une donation, même si c'est juste de 5 francs, tout est écrit sur les réseaux sociaux et sur le site rencontre-avec.ch. Nous, on se retrouve le mois prochain pour le 5e podcast de Rencontre avec. Et moi, je vous dis à bientôt.